l'humanité. Il y a toujours pour 10 milliardaires, il y a toujours 10 millions de crétins qui crèvent la gueule au fond des chiottes, qui galèrent pour s'acheter des clubs. Quand moi soudain si j'accueille, que je bois des sons dans la rue. La présence en vous, ça veut dire quoi? Ben, quand on est citoyen, c'est obligé d'être présent ici, aujourd'hui, ou comme ce soir, mais ceux qui pourront y être, et dire aux maires, mais si vous aussi vous êtes citoyen, vous aussi vous avez des obligations. Et les obligations, c'est de les écouter et d'écouter les revendications. Et on n'est pas très institutionnel parce qu'on est l'émanation des gilets jaunes. Donc le micro est ouvert pour toutes les personnes qui auraient quelque chose à déclarer ou en soutien aux camarades dans la playlist ou pour commenter la manière de répondre de notre Saint-Maire. Je pense que vous avez tous entendu parler de cet déplorable appel d'offres et de cette tentative assez lamentable d'aller à l'encontre de tous les principes d'aller à l'encontre de tous les principes de solidarité de notre pays. C'est quand même rigolo parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de célébrer, enfin toute l'après-midi, ils vont être en train de célébrer la libération d'Auxerre. Tous nos acquis, nos conquis sociaux sont quand même issus de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même rigolo qu'ils fassent l'appel d'offres aujourd'hui, connaissance de cet appel d'offres aujourd'hui, alors que lui va se pavaner en hommage aux résistances qu'il est en train de bafouer. Donc encore merci pour eux, parce que c'était pas prévu que notre rassemblement tombe à ce moment-là, mais pour le coup, je pense que ça doit être une bouffée d'air pour eux de pas se sentir seuls aujourd'hui face à ce qui se passe. Donc le micro est ouvert, vous n'hésitez pas, vous nous demandez ou vous le prenez directement. Tous les petits mots seront les bienvenus, nous on n'est pas institutionnels et encore merci d'avoir fait le déplacement. Je vous rappelle qu'il y a un autre rassemblement à 18h devant la mairie avec ou sans sac poubelle comme vous le souhaitez. Et puis que M. Mérand et M. Marot est toute la journée dans Auxerre et qu'il y a peut-être... voilà, je dis ça, je dis rien. Des bisous. Pourquoi je suis là? Parce que je fais partie des Gilets jaunes d'Auxerre, l'Assemblée populaire d'Auxerre, et que c'est nous qui avons déposé ici à la préfecture la demande d'autorisation de cette manifestation de soutien. Et puis surtout, il faut qu'on soit ici les plus nombreux possible. C'est quand même une histoire de service public, d'hygiène, de propreté, et ça concerne tout le monde. Donc il faut y être. C'est important pour cette lutte-là et puis aussi pour toutes celles qui du même ordre et qui auront encore à la rentrée. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. Une machine qui lave carte derrière. Ah ben il va pas laver le gars. Je m'allonge dessus, hein. Thank you.
quoi sera la roue des libertés du navire de l'indépendance. Nous toucherons l'éternité que les fils de la résistance. Et puis, on sait aussi que moralement, c'est très difficile, donc c'était important que vous organisiez aujourd'hui cette initiative pour que quelques personnes présentes puissent apporter leur soutien et soient aussi porte-parole, et j'en suis, de camarades qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, mais qui vous soutiennent, vous le savez par les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un gros soutien, peut-être invisible aujourd'hui, mais qui existe dans la population, parce que votre action, elle est tout à fait légitime. C'est vraiment de l'injustice sociale à laquelle on a affaire aujourd'hui. Il y a quelques temps encore, avec la pandémie, ces métiers de reaper, c'était essentiel, c'est ce qu'on appelait les premiers de corvée. Et aujourd'hui, on semble l'avoir oublié, en tout cas le maire d'Auxerre, président de l'agglo, semble totalement l'avoir oublié. Et je pense que c'est important de lui rappeler par des initiatives comme aujourd'hui. En tout cas, bien, bravo à vous, en tout cas, de tenir le coup. Et je crois que ça ne va pas compenser ni la perte de salaire, ni les problèmes moraux que ça engendre, mais je crois qu'on peut tous vous applaudir aujourd'hui. Bravo à vous, en tout cas. Je voulais juste vous remercier, parce que là, au bout de plusieurs semaines, de très longues semaines, de vous voir tous ici, élus, associations, riverains, merci. Merci, parce que nos journées sont longues, elles sont épuisantes. On ne comprend pas ce qui se passe. Un temps aussi long pour revendre, pour avancer sur des revendications qui, selon les maires qu'on a rencontrés lundi, sont tout à fait entendables et raisonnables. Merci de votre soutien, vraiment. Et puis, voilà. Merci, merci beaucoup. Ah oui, mais est-ce que c'est un vrai métier, hein ? Dites-moi, hein. Ça se fait sur des années. Ah bah, c'est un vrai métier. Ciao, 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 ciao,